الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يطلع الله إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui, dans sa miséricorde, dans sa bonté, dans sa générosité, nous accorde le tawfiq, la grâce de cette présence ce soir en cette masjid, en cette nuit du 15e Sha'ban. La nuit du 15e Sha'ban, nuit exceptionnelle, nuit de grande faveur et opportunité magnifique qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à chacun de nous ce soir pour nous tourner vers lui et pour rechercher encore sa proximité. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa générosité, il accorde à ses serviteurs des opportunités infinies pour que le serviteur il ne désespère pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut savoir que cette nuit, eh bien, elle se trouve dans le mois de Sha'ban. Et avant tout de savoir que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il accordait une importance particulière au mois de Sha'ban. C'est pourquoi, après le mois de Ramadan, c'est durant le mois de Sha'ban, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gardait le plus de jeûnes. Et il disait qu'en réalité, c'est durant le mois de Sha'ban que nos actions sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il disait que j'aime lorsque mes actions sont présentées à Allah et bien que je sois en état de jeûne. C'est pourquoi, durant ce mois, Hadrat Aisha radiyallahu anha, elle le disait, أحب الشهور إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان. Que le mois que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il aimait le plus pour garder le jeûne, eh bien c'était le mois de Sha'ban. ثم يصله برمضان. Et ensuite il le continuait avec le mois de Ramadan. Donc c'est un mois particulier. Et dans ce mois particulier, Allah subhanahu wa ta'ala a placé une nuit spéciale, la nuit du 15e Sha'ban. Les savants disent qu'après la nuit de Laylatul Qadr, c'est-à-dire la nuit du destin, qui est meilleure que 1000 mois, plus que 1000 mois, et qui se trouve dans le mois de Ramadan, ils disent après la nuit de Laylatul Qadr,
La nuit qui a le plus de valeur, c'est la nuit de Laylatul Nisf min Sha'ban, la nuit du 15e Sha'ban. Dans les narrations authentiques, le mot qu'on trouve, c'est Laylatul Nisf min Sha'ban, c'est-à-dire la nuit de la moitié du mois de Sha'ban, la nuit du 15e Sha'ban. Ensuite, on lui a donné à cette nuit d'autres appellations. Laylatul Bara'ah, la nuit de la délivrance. Laylah Mubarakah, la nuit bénie. Laylatul Rahmah, la nuit de la miséricorde. Laylatul Maghfirah, la nuit du pardon. Et ainsi de suite. Et il n'y a pas de doute que cette nuit, elle est tout cela. C'est une nuit bénie. C'est la nuit durant laquelle Allah subhanahu wa ta'ala manifeste sa rahma, sa miséricorde sans limite. C'est la nuit durant laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne sans limite. Et c'est une nuit durant laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il accorde la délivrance et Allah subhanahu wa ta'ala libère beaucoup d'âmes du feu de l'enfer. C'est donc l'opportunité et l'occasion pour chacun de nous, chers frères, chères mères et sœurs, eh bien, de profiter, inshallah, de ces quelques heures que l'on a. C'est juste une nuit. D'ailleurs, la nuit du 15e Sha'ban, ce n'est pas une nuit pour le bayan. Le bayan, c'est juste une petite explication pour que chacun de nous, eh bien, il se remémore un petit peu quelle est l'importance de cette nuit, quelles sont les vertus qui sont liées. Mais profiter de cette nuit, ce sera après le bayan, inshallah, pour chacun de nous. C'est le temps que chacun de nous serons capables, inshallah, de donner pour se tenir devant Allah subhanahu wa ta'ala, debout, assis, dans la salah, dans la lecture, dans le dhikr et en abondance dans les du'as. C'est de cette manière que nous aurons, inshallah, profité réellement de cette nuit de Laylatul Nisf min Sha'ban. Les savants, ils disent que la nuit de Laylatul Qadr, c'est une nuit qu'il faut rechercher. Il faut la rechercher dans les nuits impaires de la dernière des quatre du mois de Ramadan. Mais la nuit de Sha'ban, eh bien, c'est une date précise. Il n'y a pas besoin de chercher. On sait que c'est exactement durant cette nuit-là, eh bien, que se trouve la nuit du 15e Sha'ban, la nuit où Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il accorde à chacun de nous cette opportunité de revenir vers lui. Un hadith rapporté par Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, dans lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, يَطَّلِعُ اللَّهُ إِلَىٰ خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِّنْ شَعْبَانِ. Que durant cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il se rapproche de ses serviteurs. Et les savants, ils disent que là où toutes les autres nuits, ce n'est que dans le dernier tiers de la nuit qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend au premier ciel pour être encore plus proche de ses serviteurs. Durant la nuit du 15e Sha'ban, dès le coucher du soleil, Allah subhanahu wa ta'ala manifeste déjà sa miséricorde. Sa proximité est déjà avec nous. Allah subhanahu wa ta'ala, il lance déjà des appels à chacun de nous. Ala hal mim mustarziqin fa arzuq lahu. Ala hal mim mustaghfirin fa aghfir lahu. Ala hal mim mubtalin fa u'afi. Est-ce qu'il y a des gens qui me demande le pardon? Est-ce qu'il y a des serviteurs pleins d'humilité qui reviennent à moi afin que je leur accorde ce pardon? Est-ce qu'il y a des serviteurs qui ont besoin de la subsistance, qui ont besoin des choses de leur vie mondaine et qu'ils me demandent, eh bien, que je leur accorde cela? Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans l'épreuve de la vie, dans les épreuves de la vie, qui sont éprouvés d'une manière ou d'une autre, qu'ils me le demandent? Fa'u'afi, eh bien, je les délivrerai de leur affliction et de leur gêne. Allah subhanahu wa ta'ala, il est proche de nous. Le message que l'on doit retenir, mes frères, on le répète chaque 15e Sha'ban, c'est le message de l'espoir que nous apporte cette nuit. C'est le message d'espoir que nous apporte cette nuit. Chacun de nous, on est assis là, hein, mashallah, le qamis, notre bazou, il peut être blanc et brillé, mais chacun de nous, on connaît nos erreurs. Chacun de nous, on connaît nos manquements. Chacun de nous, on connaît nos péchés. Chacun de nous, on connaît nos égarements. On connaît chacun de nous combien nous sommes réellement, hein, dans cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, c'est cette opportunité qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous accorde durant cette nuit pour que
eh bien, on se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder ce pardon, de nous accorder cette subsistance, de nous libérer des différentes épreuves que chacun de nous, nous vivons au quotidien. Donc, notre din, c'est le din de l'espoir. La nuit, c'est la nuit de l'espoir. Notre religion, c'est une religion d'espoir. Et notre Allah, c'est un Allah plein d'espoir. Allah subhanahu wa ta'ala, parfois l'être humain, lui, il désespère. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il nous continue à nous encourager. Et il nous dit, « قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ » Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans ce verset, à propos duquel Ibn Mas'ud radiyallahu an, il disait, « مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ أَكْثَرُ فَرْحًا مِنْ آيَةٍ فِي سُورَةِ غُفَرْ » Et il disait, « فِي سُورَةِ الزُّمَرْ » Et il disait, « قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا » Il n'y a pas un verset dans le Coran, « أَكْثَرُ فَرْحًا » qui apporte plus de joie, qui procure plus de joie. Il y a min ayatin fi surati Zumar, que ce verset qui se trouve dans la sourate Zumar, ce verset dans lequel Allah il dit ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, ô mes serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne dit pas ô vous les pécheurs, ô vous les mauvais, ô vous les égarés, ô vous les perdus, non. Ya ibadi, ô vous mes serviteurs. Il ne s'adresse pas aux meilleurs de ses serviteurs. Il s'adresse à alladhina asrafu ala anfusihim. Les serviteurs qui ont abusé, qui ont été injustes envers eux-mêmes, qui ont passé peut-être leur temps à désobéir à Allah. C'est à eux qu'Allah s'adresse. C'est à nous tous finalement qu'Allah s'adresse en disant, ô vous mes serviteurs. Avec de l'amour, avec de l'affection, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, la taqnatu min rahmatillah. Je vous demande une chose. C'est Allah qui nous le demande. Il dit, la taqnatu min rahmatillah. Ça, c'est un message et c'est un verset qu'on devrait se rappeler tous les jours. Chaque jour, de se rappeler qu'Allah me dit, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Celui qui a arrêté d'espérer, il a cessé de vivre. Le serviteur, il ne désespère jamais. Nous avons un Allah dont le pardon n'a pas de limite. Combien de fois on a entendu ces hadiths dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala, il parle aux serviteurs et il leur dit, « لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَا » Si tes péchés devaient atteindre le sommet des cieux, « ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي » Puis, ô serviteur, toi dont les péchés ont atteint les hauteurs du ciel, ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي Puis tu t'es repenti, غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِي Moi, je suis ce Seigneur qui pardonne et je ne tiens compte de rien du tout. Je ne me soucie guère de cela. Je te pardonne. Si tu viens au serviteur, la terre entière remplie de péchés, eh bien, moi, je viens. Moi, Seigneur Allah, je viens vers toi avec la terre entière remplie de pardon. Subhanallah. C'est ce pardon-là que chacun de nous, nous devons rechercher. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous connaît. Il connaît nos faiblesses. D'ailleurs, les savants, ils disent qu'Allah, pour que l'être humain reste avec un peu d'humilité, eh bien, il lui a donné cette faculté de commettre le péché. Vous me suivez? C'est pour que l'être humain reste avec un peu d'humilité que Allah subhanahu wa ta'ala lui fait commettre des péchés. Imaginez quelqu'un d'entre nous, et ça n'existe pas, quelqu'un d'entre nous qui n'aurait pas de péché. Eh bien, au bout d'un moment, il se dirait, « Ma asaytu Allah qattu. » Moi, je n'ai jamais désobéi à Allah. Mais il n'y a personne sur cette terre entière, des milliards de croyants qui puissent exister, quelqu'un qui puisse prétendre et dire, « Lam arsallah qattu. » Moi, je n'ai jamais désobéi à Allah. Ibn Hajar Hanbali, rahimahullah, c'est lui qui disait cela. Il disait que, ça, c'est la sagesse d'Allah. Il veut que le serviteur reste dans une certaine humilité. Que parfois, lorsque la fierté vient en lui, même par rapport à son din, il se dit que oui, alhamdoulillah, je fais telle bonne action, mais au fond de moi, je connais aussi
ce que peut-être personne ne sait, quel est mon égarement, quel est mon péché, quel est le mal qu'il y a en moi. Et ça leur amène à un peu d'humilité. Et deuxième sagesse pour laquelle on fait péché, c'est que Allah, il a une qualité énorme qui est cette qualité, cet attribut de At-Tawwab. Allah, il est celui qui accepte le pardon. Il est Al-Ghaffar. Il est celui qui pardonne en abondance. Ghafiru Dhanbi. Il est le pardonneur des péchés. Qabilu Tawbi. Il est celui qui accepte le pardon. Si personne ne commettait de péché, qui Allah pardonnerait-il? Attention, ce n'est pas un encouragement hein, pour pécher, pour désobéir. Mais lorsque, eh bien, on a fauté, lorsqu'on a flanché, lorsqu'on a failli, eh bien, de se remémorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la porte de son tawba, elle est ouverte. La porte de son pardon, elle est ouverte. Les hommes ne nous pardonnent pas, parfois. Le tribunal des hommes, c'est un tribunal très difficile et dur. Un péché, peut-être une vie entière, ce péché ne sera jamais oublié dans la mémoire des hommes. Mais Allah, il n'est pas comme ça. Allah, celui dont aucun péché, hein, celui à qui aucun péché n'échappe. Lorsqu'Allah, un serviteur, se retourne vers lui, sincèrement, il est sincère dans son repentir, et il prend la résolution de ne plus retourner vers le péché. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, at-ta'ibu min adh-dhanbi kama la dhanba la. Celui qui se repent d'un péché, c'est comme s'il n'avait jamais commis ce péché. Oubliez le péché. Allah subhanahu wa ta'ala l'efface. Dans le livre qui avait consigné notre péché, Allah, il enlève ce péché de ce livre. Il l'efface. Les anges qui avaient vu et qui avaient noté, les anges l'oublient. La terre sur laquelle on avait commis ce péché, cette terre oublie ce péché. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait disparaître ce péché. Kama la dhanbala. Comme si tu n'avais rien fait. C'est pourquoi de retenir qu'on n'a pas de compte à rendre à quiconque. On n'a pas de compte à rendre aux hommes. Notre juge, c'est Allah. Notre juge, c'est Allah. Attention. Après, il y a des responsabilités. Un père peut demander des comptes à ses enfants, et ainsi de suite. Mais sinon, les comptes et le jugé et le tribunal, il n'y a qu'un seul. C'est celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas toujours agir en disant qu'en penseront les gens. Il faut parfois arriver à enlever son regard des gens. Que ce soit dans le mal, que ce soit dans le bien que l'on fait, ou dans le mal que parfois il nous arrive de commettre. Notre juge, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Demain, je comparaîtrai seul devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et je serai seul responsable de mes actes. Et ce Allah devant qui je vais comparaître seul, eh bien c'est un Dieu qui est miséricordieux, plein de bonté, plein de compassion pour ses créatures. Il y a des gens qui ont fauté et qui étaient dans la désobéissance d'Allah toute une vie. Et une seule bonne action un jour qu'ils ont fait avec sincérité, Allah Ta'ala a pris le prétexte juste de cette bonne action pour pardonner la vie entière de désobéissance de cette personne. Ça, c'est le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, malheureusement, il y a encore des gens dans notre communauté qui arrivent à dire encore que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu amour. Que notre Dieu... Allah, ce n'est pas un Allah généreux. C'est mal le connaître, tout simplement. C'est mal le juger. Nous devons apprendre à aimer Allah et à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, frères, mères et sœurs, durant cette nuit, chacun de nous, inshallah, on va se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cette nuit, maghfiratun marsousa, istijabatun marsousa. Il y a un pardon spécial de la part d'Allah et il y a une acceptation particulière de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. On donne parfois une image. On dit, imaginez le plus grand centre commercial du monde en quelque sorte, le plus grand magasin du monde qui laisserait ses portes ouvertes et qui dirait, prenez tout ce que vous voulez. Il y a tous les biens de ce monde dedans, prenez tout ce que vous voulez. Et vous passez devant, vous dites, ah, pas besoin, rien.
Pas besoin de rien. Il y a tout dedans. Voiture, maison, biens, richesses. Est-ce qu'il y aurait, déjà quand il y a le plus petit magasin, même les gens parfois, hein, on se bat pour avoir quelque chose. Mais là, tout est gratuit et personne ne prend. Allah subhanahu wa ta'ala, il est là, il lance des appels. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que je lui pardonne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me demande la subsistance? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me demande d'être délivré de ses tourments et peines? Ce serait regrettable, très regrettable, que nous ne puissions nous tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala et profiter de cette miséricorde et de cette générosité particulière de cette nuit. Mères et sœurs et frères, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était celui qui ne commettait pas de péché. Il n'avait pas de péché. Les seuls hommes dans l'humanité qui ne commettaient pas de péché, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qu'Allah a choisi, l'élite de l'humanité, les anbiya alayhim salam. Eux, Allah subhanahu wa ta'ala, leur avait accordé l'immunité. L'immunité prophétique. Mais malgré cela, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il disait, eh bien, 70 fois par jour, je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Je demande le istighfar 70 fois par jour. À chacun de nous de se dire combien on aurait besoin, nous aussi, de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, lorsque parfois il y a une brûlure sur la peau, eh bien, cette brûlure, même après la guérison, elle peut laisser une cicatrice. Mais si on a demandé pardon à Allah, eh bien, si Allah il pardonne, ça ne laisse aucune trace sur le cœur de l'homme. Allah subhanahu wa ta'ala, il purifie. Et ça, c'est important, chacun de nous ce soir, quand on va, inshallah, faire nos différentes ibadat, eh bien, de se centrer sur notre cœur. De ne pas faire ce que nous allons faire par formalisme, parce qu'il faut faire. Il faut essayer, c'est vrai. Nos cœurs, parfois, se sont endurcis. Les péchés ont tellement envahi notre cœur qu'il nous est parfois difficile de faire la ibadat d'Allah avec un peu de concentration. Les cœurs se sont tellement couverts de péchés, complètement voilés, qu'il nous est parfois difficile de prendre plaisir dans nos ibadat. Nous le ressentons. Nous faisons des salats, nous lisons le Coran. On va au Hajj et on revient aussi. Parfois, on n'a rien senti de changer au niveau de notre cœur. Et c'est là-dessus pourtant qu'il faut se concentrer. Combien la santé du corps, elle est importante. Vous savez, quand on est malade du corps, eh bien le malade, il n'apprécie plus le goût des aliments. La saveur, vous lui mettez le meilleur plat, son plat préféré devant lui. Mais il est malade et il dit, non. On va le forcer à manger quelques bouchées qu'il va manger par obligation. Il n'y a plus aucun goût. Les savants, ils disent, malheureusement, c'est la même chose lorsque le cœur, il est malade. Lorsque le cœur, il est malade, eh bien, il ne prend plus de plaisir dans les ibadat. Il nous faut apprendre à travailler sur ce cœur, à petit nettoyer ce cœur. Il y a trop de choses, trop d'actions qui nuisent à l'état de notre cœur et qui le rendent tout noir. À chacun de nous d'apprendre, particulièrement avec l'arrivée de ce mois béni de Ramadan, à purifier notre cœur, inshallah. Avec nos yeux, eh bien, nous devons purifier notre regard, parce que les yeux sont directement liés au cœur. Avec les oreilles, eh bien, purifier l'oreille pour que, inshallah, on puisse ressentir quelque chose ici. Nous sommes ici, tranquilles, dans la masjid. Combien de nous, malheureusement, nous écoutons des choses qui ne conviennent pas d'être écoutées par un croyant et par un musulman? On écoute le Coran, on écoute des chants, hein, des chants halal, on va dire, hein, des chants autorisés. Mais malheureusement, il y a les chants qui sont illicites, haram, et pour combien de musulmans dans notre communauté, eh bien, c'est devenu une nécessité jour et nuit. Dans le plus grand, voilà, insouciance, dans la plus grande insouciance, tranquillement, dans les maisons, dans les voitures. Même ceux qui accomplissent leur salat régulièrement et tout, mais on a besoin un petit peu de sensation. Lorsque le cœur il est voilé, eh bien il sent les sensations du mal. Si on veut ressentir la sensation d'une lecture du Coran, il faut qu'on purifie ce cœur.
Wallah, mes frères, lorsqu'on purifiera ce cœur en entendant des versets du Coran dont peut-être on n'a pas compris le sens, mais juste écouter, avec une purification de notre cœur, les larmes couleront, inshallah. Alors, on peut faire une niya ce soir, juste par rapport à ce petit point, en parenthèse, en passant, en cette nuit bénie du 15e Charban, pour ceux qui sont dans ce péché, d'écouter ce qui n'est pas à écouter, croyants et croyantes, musulmans et musulmanes, de dire que, inshallah, je fais l'effort de ne plus écouter ce qui est interdit. Dans ma voiture, dans ma maison, les jeunes qui marchent avec, hein, les écouteurs. Parfois, je plaisante, un jeune qui passe, il passe un djikou, mais passe un écouteur, il dit, non, mais ça, il a des affaires, ça. Quelles affaires? Il dit, non, niska. Ah bon, je ne connais pas, excusez. Écoutez, les chouyours innombrables qui récitent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun de nous, on doit faire l'intention de travailler pour la purification de ce cœur et avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala avec ce mois de Sha'ban, avec, hein, dans 15 jours, le mois de Ramadan, peut-être même moins de 15 jours, eh bien le mois de Ramadan sera là. Dès maintenant, Inch'Allah, on prend les bonnes résolutions. À partir de ce soir et à partir d'aujourd'hui, Inch'Allah, on fait l'intention de maîtriser sa parole. Les savants, ils disent que tout le monde veut avoir des dents bien droites, mais la langue, elle est fourchue, ça ne dérange personne. Hein? S'il y a un petit souci, orthodontiste, dentiste, un petit appareil, etc. Mais la langue qui est juste derrière, subhanallah, catastrophe générale. Catastrophe, désastre. Imam Ghazali, rahmatullah, il disait afatul lisan, hein, les dégâts des mots. Et tout ça, c'est ce morceau de chair. Combien de fois on oublie cela? Il nous est important, inshallah, de repenser à tout cela et de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala à travers, inshallah, la purification de notre vue, de nos yeux, de nos oreilles, de notre bouche et de notre cœur, inshallah subhanahu wa ta'ala. Nous avançons en rappelant, inshallah, que durant ce mois, on vient de le dire, le pardon d'Allah, sa générosité, eh bien, sans limite. Mais malgré cela, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il y a certaines catégories de personnes qu'Allah ta'ala, durant cette nuit, il retient le pardon pour ces personnes. Alors, mes frères, on ne peut pas parler du 15e Charban sans mentionner même rapidement cela. Une catégorie de personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il ne leur accorde pas le pardon tant qu'ils ne demandent pas un repentir sincère. Eh bien, illa li mushahin. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la personne qui entretient de la rancune dans son cœur, qui entretient l'inimitié dans son cœur. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il connaît l'importance et l'importance de ce cœur pur et la gravité de ce cœur lorsqu'il est rempli de mauvaises choses. Vous savez, il est ce prophète qui est venu, sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour bâtir une umma. Il est venu pour bâtir une umma. Et quand il a voulu bâtir cette umma, cette communauté qui allait vivre, inshallah, jusqu'à la fin des temps, eh bien, il s'est assuré d'éliminer tout ce qui pouvait s'opposer à ce projet-là. Tout ce qui pouvait s'opposer au projet de bâtir une umma, une communauté, où les liens de ses croyants et de ses croyantes seraient des liens solides. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est venu et il a condamné la jalousie. Et il a dit, Al-hasadu ya'kulu al-hasanat kama ta'kulu an-nar al-hatab. Attention la jalousie. La jalousie, ça détruit vos bonnes actions. Comme le feu consume le bois. Vous allumez quelque chose et tout est parti. Ça, c'est la jalousie. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est venu et il nous a dit, attention à la médisance. Attention à la médisance. Péché grave auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il était venu pour bâtir la umma. Il a fait tomber toutes les barrières de différence qui pouvaient exister entre les gens. Il y avait des gens qui ont une fierté. Moi, je ne veux pas me mêler aux autres. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, attention, un atome d'orgueil dans ton cœur et tu n'entres pas dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala.
لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Il n'entrera pas au paradis d'Allah celui qui dans son cœur a un atome d'orgueil et de fierté. Vous ne connaissez pas Kissam il est où? Vous connaissez Kissam il est? Celui qui était quelqu'un, il passait son temps à dire « Je ne suis rien ». Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Attention à la fierté ». Il a fait tomber cette barrière. Il y a des gens qui pensaient que notre richesse, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Non, attention ». La richesse n'est pas un signe de supériorité. Il a dit « Les pauvres de ma communauté entreront au paradis 500 années avant les riches ». Tout ça, c'était pour bâtir cette communauté, pour que les sahaba, radiyallahu anhum, ils soient plus proches entre eux. Il n'y a pas supériorité de race et d'origine. Il l'a dit dans son dernier sermon, « La fadla li arabiyin ala ajamiyin, wa la li ajamiyin ala arabiyin ». Il n'y a pas de supériorité d'un arabe sur un non-arabe, d'un non-arabe sur un arabe, d'un blanc sur un noir sur un arabe, illa bittaqwa. Il n'y a que la piété de votre cœur qui pourra vous différencier. Et ça, ce sera auprès d'Allah, c'est tout. Sinon ici, personne n'est supérieur à quiconque. Il a établi une fraternité entre les sahaba, radiyallahu anhum. Et c'est avec ce cœur propre qu'ils ont avancé. Les sahaba, radiyallahu anhum, ils ont appris à se pardonner. À se pardonner. Celui qui coupe les relations familiales, Allah, il dit, moi, je coupe les relations avec lui aussi. Toi, tu te coupes de ta famille, alors moi, Allah, je me coupe de toi. Attention, durant cette nuit bénie, s'il y a parmi nous des personnes, et chacun, c'est une introspection, je l'ai dit tout à l'heure, on a des comptes à rendre à personne. Nos comptes, c'est avec Allah. Donc, une introspection. Si on a des différends, un différend quelconque avec quiconque, eh bien, on va, Inch'Allah, ce soir, si c'est possible, demain, le plus tôt possible, Inch'Allah. Et on dit, Lillah, pour Allah. Ne dites pas, les gens vont dire, ah, tu as lâché. Non, les gens parfois sont là pour donner des mauvais conseils. Largue pas. Comment largue pas? Tiens beau. Subhanallah. On encourage le pardon. On encourage les frères à se pardonner. On encourage les membres de notre famille à se pardonner. La vie, elle est courte, on va fermer les yeux. Ça ne sert à rien demain quand quelqu'un sera mort, après d'arriver devant son mayette, et a dit « Pardonne-moi ». Trop tard, il n'entend plus. Il était là pendant des années. On a ignoré. La fierté était en nous. On n'était pas capable d'agir pour Allah. Et quand c'est trop tard, après on des larmes de regret. Pour Allah. Et celui qui s'humilie pour Allah, Allah va l'élever. Allah va l'élever. S'il y a un différent, on oublie. Cette vie-là, elle n'est rien. C'est le akhirat, notre objectif. Aujourd'hui, nous sommes là, demain, nous ne serons plus là. Alors, on enlève ces rancunes. On enlève, petit à petit, discussion. S'il y a des choses à régler, on règle. Mais qu'on retrouve. Parfois des liens de sang. Des liens de sang. Subhanallah. Comment on fait? Le poète qui disait, hein, Mujhe achhi tarah se bachpan ka wo zamana yaad hai jab din mein apne bhai se 10 martaba ladte lekin sone se pehle laga le gala laga lete. Combien de fois on a rappelé cette parole ici? Il dit, moi je me souviens très bien quand on était petit avec nos frères et sœurs, on se chamaillait, on se disputait. 10 fois dans une journée, on s'est disputé. Mais avant de dormir, eh bien, tout le monde était ensemble et c'était plein d'amour. On s'aimait à nouveau. Bare ho kar jab ek martaba larai hui to 10 saal tak baat nahi karte. Maintenant qu'on a grandi, eh bien, il est arrivé un petit différent une fois. Et à partir de ce jour, on a coupé les liens. On dit, c'est fini. Qu'est-ce qui est fini, mes frères? Qu'est-ce qui est fini? Mais qu'est-ce qu'on a compris de la vie? Qu'est-ce qu'on a compris? 10 ans, on ne se parle plus. Le jour de Eid va arriver dans quelques semaines, après Ramadan. Et c'est regrettable que dans notre communauté, cette communauté qui a les plus grandes valeurs de l'humanité, le jour de Eid,
Il y a des personnes qui ne se font pas ça là. Mes frères, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. On le voit, on l'observe. On se dit, mais c'est... Quand est-ce qu'on comprendra? Pour des raisons futiles, parfois. Subhanallah. Comment c'est important pour chacun de nous, eh bien, de faire preuve de cette humilité. D'oublier les petits différends de la vie. Et Inch'Allah, savoir se faire pardonner. Un jour de Eid. Et parfois, Subhanallah, il y a des gens qui disent, Moulissab, mais j'ai fait l'effort. Je suis allé demander pardon. Et la personne a refusé. Si quelqu'un vient à vous, je ne sais pas quelles sont les différentes situations de chacun. Si quelqu'un vient à vous un jour, cher frère, chers mes sœurs, et vous dit, je te demande pardon, pour l'amour d'Allah, s'il vous plaît, acceptez le pardon. Comment on espère, nous, le pardon d'Allah, quand on n'est pas capable, pour un petit différent terrestre, eh bien, de ne pas savoir pardonner à notre prochain. On oublie ce qui s'est passé. On pense à Allah, on pense que demain on sera là-bas, et pour ce petit pardon que j'aurais accepté, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala peut m'accorder son grand pardon. Peut-être c'est ma voie vers le paradis, juste ce différent que j'ai pardonné et que j'ai oublié. C'est pourquoi c'est tellement grave cette rancune que l'on peut entretenir que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que durant cette nuit bénie, eh bien ce pardon il est retenu pour cette catégorie de personnes, à moins qu'elles ne fassent un retour sincère vers Allah subhanahu wa ta'ala, à moins qu'elles ne se retournent vers Allah subhanahu wa ta'ala avec humilité. C'est important de travailler cette humilité. C'est important entre nous, de se pardonner. C'est important entre nous, de cacher nos défauts. Comment chacun de nous, assis ici, on connaît des péchés que l'on peut commettre que personne ne connaît? Est-ce qu'on voudrait que ce soit dévoilé? Personne. Et pourquoi nous, on s'amuse à dévoiler les péchés des autres? Qu'est-ce qu'il y a, quel plaisir à dévoiler les péchés gratuitement comme ça? On fait des assemblées spéciales pour s'en prendre à l'honneur des autres. Un de nos savants, il disait, Al-Haytami rahimahullah, man sarraha lisanahu fi a'radhi an-nas. من صرح لسانه في أعراض الناس واتبع أوراتهم أمسك الله لسانه عن الشهادة عند الموت. La personne qui a lâché sa langue pour porter atteinte à l'honneur des gens et à suivre leurs défauts, Allah subhanahu wa ta'ala va retenir sa langue de prononcer la shahada au moment de mourir. Celui qui a lâché sa langue pour toucher à l'honneur des gens, Allah, il va retenir sa langue de prononcer la shahada au moment de mourir. Tout le monde autour sera en train de dire « La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah ». Toute la famille est autour. « Ashhadu an la ilaha illallah ». Ô toi qui vas quitter ce monde, lis la shahada. Il l'entend, il veut la prononcer. Mais Allah a retenu sa langue. Tu as passé ta vie, tu as lâché ta langue sur les autres. Je retiens ta langue de mon nom à moi au moment de mourir. Attention, ce n'est pas un jeu. On apprend à cacher les défauts des autres autant qu'on aimerait que nos défauts soient cachés. Rapidement, parce que le temps se termine, et on a rappelé déjà cet incident, au temps de Moussa alayhi salam, il y a une sécheresse. Moussa alayhi salam, il sort avec les Bani Israël, son peuple, les fils d'Israël, il sort avec eux, et ils vont demander à Allah le tawbah et le pardon. Et lorsqu'ils demandent à Allah la pluie, eh bien, la réponse d'Allah, c'est que, ô Moussa, la pluie est retenue parce que dans le groupe qui est venu avec toi, il y a un homme qui a désobéi à Allah complètement. Il est dans la désobéissance totale à Allah. Eh bien, la pluie ne peut pas tomber. Alors, Moussa, alayhi salam, au même moment, il se retourne vers son peuple. Tous les Bani Israël sont là. Et Moussa, alayhi salam, il dit, il y a parmi vous un homme qui est dans la désobéissance totale à Allah, que cette personne sorte d'ici pour que la miséricorde d'Allah se manifeste. Alors cet homme, il est dans la foule. Il entend son prophète Moussa alayhi salam dire cela. Il est là, il dit, comment il fait? Comment on fait? Parce que s'il sort,
Tout le monde dira. Hein? C'est, on aime bien. Comme dans la masjid, quand le téléphone il sonne, tout le monde dit, c'est qui ça? Non, c'est pas bien de regarder. Entre parenthèses. Eh bien, cet homme, il est dans la foule et à ce moment précis, il se tourne sincèrement vers Allah. Il dit, Allah, c'est vrai, cet homme, c'est moi. C'est moi qui suis dans la désobéissance totale à tes ordres. Oh Allah, en cet instant précis, je me repens sincèrement et je ne retournerai plus jamais vers ses péchés. Aussitôt qu'il fait son repentir en son fort intérieur de manière sincère, la pluie commence à tomber. La pluie commence à tomber et tout le monde est content. Et Moussa alayhi salam, il se pose une question. Il dit, mais il n'y a personne qui est sorti. Il n'y a personne qui est parti. Alors il dit à Allah, la pluie est tombée, très bien, mais personne n'a quitté. Allah, il dit, ce serviteur, eh bien, il s'est repenti sincèrement, eh bien, j'ai fait descendre ma miséricorde. Et la question que tout le monde se pose, assis ici, elle nous dit,